Amis, auditeurs, famille, faisait la caille, ou même qui tout partout dans le monde là, ou même qui en Haïti, sur tout territoire national là, ou même tout qui à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, Mexique, la France, en Chine, République Dominicaine, en Chili, n'importe qui côté ou à suivre nous dans une minute ça, c'est avec même plaisir là, même engouement, même respect, nous gagnons une poulotte. Nous venons devant au matin ça, nous entrons la caillou, jeudi mardi qui 18 février 2020, avec un seul objectif, un seul but, c'est présenter toute nouvelle, toute actualité qui a brassé bilan pays d'Haïti. Nous pourrons le présenter au journal Grand Boulevard, journal Première Occasion, c'est un courtoisie Radio Caraïbe. Et nous-mêmes faisons la caille, nous servons comme pont pour nous capables de faire journal là, rivez joindre nous 24 sur 24, 7 sur 7. Mais bien avant que nous laguions journal là, regardez qui ça, le nouveliste, les publiés pour aujourd'hui, mardi ça, qui 18 février 2020. Nouvelle arrêtée sur les marchés publics. Levée des boucliers et contre-attaque de l'exécutif. Le monde médical rend hommage au docteur Elsie Metelus Chalumeau. Le parquet n'est pas contraint de poursuivre les responsables de l'orphelinat. C'est l'orphelinat ça qui te prend du fait et dans le week-end passé là à côté. Puis passer 15 timoun en boulet, mais pas gen personne moun qui dit rien. C'est comme si c'était un fatra qui te prend du fait. Et puis personne moun pas dit rien. Timoun sa yo boulet, eh bien, semblait pas gen responsable. Comme si la vie moun pas dit rien pour l'État haïtien. Eh bien, suppression de frais et des internes des universités privées. Le MSPP revient sur sa décision. Le président Jovenel Moïse a annulé sa participation à la 31e réunion intersession de la CARICOM. Contre qui le parquet doit-il engager des poursuites pour le drame des enfants tués? Les élections municipales suspendues en République dominicaine auront lieu le 15 et mars. Et à qui appartient le matériel des sites VARE 1, VARE 2 et VARE 3? Eh bien, et c'est tout thème ça que le nouveliste lui-même les publie pour aujourd'hui, jeudi. À présent, nous prenons un studio Radio Caraïbe FM pour nous capables de présenter au journal Grand Boulevard, journal Première Occasion, Guerrier du Seul, Pierre-René René, Yonami Koua, faisait la caille, lui-même ni vous comme pour vous faire journal s'arriver, joignez nous. À présent, journal Première Occasion. La police nationale d'Haïti pour réclamer. Auditeur Caraïbe FM qui est connecté tout partout dans le monde. Non, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal Créole, Première Occasion. Jeudi, non, mardi 18 février 2020, toute équipe content rejoindre nos matins pour présentation Journal Créole, Première Occasion, Journal Grand Boulevard. Réalisation, toute équipe en production Jean-Claude Dorsey, coordination Daniel Gilbert, mise en ordre Grégory Lubéac, Réginald de Robelson. Et puis un micro pour présentation Journal ça, Pierre-Renal Roniac, moi-même, Guerrier Jessel. Bonjour Grégory, bonjour Réginald, bonjour Pierre-Renal. Bonjour Guerrier, bonjour Grégory, bonjour Réginal, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là, matin. Et quelques principales informations après le lien pour nous développer matin, plusieurs stands carnaval qui n'ont pas construit sous champ de Marslan, boulé hier après-midi, après mouvement, manifestation, plusieurs centaines de policiers qui ont pris là-dedans, n'ont pas de gain uniforme, sous demande du syndicat police nationale d'Haïti pour réclamer plus bonnes conditions de travail. Il y a une instance pour juger policiers, il faut gagner une instance pour défendre les déclarations policiers manifestants qui sont sortis à Fouayoport pour arriver devant le local de l'élection générale PNH dans Pétionville, qui n'est toujours pas reconnaître les affaires syndicales dans la police. Là. Et matin, on a gagné pour nous parler avec M. Samuel Madistin, puisque aujourd'hui, c'est journée mondiale d'action en faveur de droit grève. Antonal Mortimer pour défenseur plus, puis chef CSPN, non, Jean-Michel Lapin. Situation, la pérèse, mon capitale là, à Vivlan, commencé à transporter dans quelques villes, provinces, Zac, braquage, vol en nuit, sans compter bruit, cartouche, cap chanté dans divers quartiers. Presque chaque soir dans la cité d'indépendance en la gros la pérèse, la caille citoyenne en ville ça.
Pendant dernier moment, ça y a un pile monde qui paie à faire transaction la banque à cause de Zach Bracagio qui répétait en pile dans cette ville-là. Il y a un monde qui même rivé prend balle pendant un bandit à pas attaquer. Et monde dans la population, on a fait aux jeunes dans le journal là matin. Correspondant nous depuis Gonaïve, Jelivin Jules. Déclaration président de la République qui fait qu'on est mandat la fin 7 février 2022 provoqué un pire réaction dans la classe politique. Sous parti fusion, déclaration ça a crasé dialogue qui a commencé dans le local, dans le cercle apostolique. Mouvement populaire des Salinières avec Mopod qui était absent sous table discussion. Il continue à réclamer lui-même mise en place un gouvernement transition. Parti politique petite des Salines, si vous parlez, annoncer mobilisation après l'augmenter dans tout le pays. De façon pour lui pousser d'eau à Jovenel Moïse sous pouvoir. Entre-temps, secteur démocratique et populaire a mandé République Chine, Taïwan pour pas engager la l'État haïtien sous base arrêtée 12 février passé qui vient pour la passation marché public. Dans une lettre, il y a envoyé par l'ambassadeur Chine, Taïwan dans le pays d'Haïti, M. Bang Shi Liu, opposition, a attiré attention à l'ambassadeur sous décision ça qui est illégale, qui est contraire à la constitution et puis loi république là. Ancien député de circonscription Akin Jean-Robert Bossé dénoncé arrêté présidentiel 12 février 2021 qui cassé loi passation qui visait by chef d'État à plus liberté pour agir sous contrat qui vient pour avec énergie électrique. D'après ancien député arrêté ça, a venu détruire cette institution et puis by chef d'État l'autre opportunité pour poursuivre exact la corruption. 16 107 candidats ont participé dans la première session examen. L'État qui a déroulé depuis hier, lundi 17 février, pour arriver 21 février, qui a fini l'examen. Ça a fini sans incident dans tout district scolaire à travers le pays. Côté participants secondaires traditionnels, Philo a subi épreuve dissertation philosophique avec biologie. Quant à candidats secondaires rénovés, NS4 qui participait. Pour premier point d'embarque permanent, il a été composé dans dissertation philosophique à examen chimique. Dossier escroquerie, tribunal correctionnel démarré hier lundi avec un procès qui mettait face pour face l'État ici avec Sogenère. Pendant un déroulement procès, un conseil défense l'a demandé tribunal pour déclarer les incompétents pour continuer tant des dossiers qui vient là dans les conflits droit propriété qui par ma compétence tribunal correctionnel. Président du tribunal, le magistrat Benjamin Félix-Mé fait droit à la demande de conseil défense qui est modèle campé sous instruction en attendant le tribunal civil décidé. Et puis, maintenant, dans différents rubriques, nous n'avons pas gagné prévision météorologique. Journée en commencement, journal là, que Mme Christine Saint-Georges. Toujours pas gagné changement dans la situation météo, qui est même ligne week-end là, avec un temps qui a toujours un soleil. Soleil là, qui a pleuvé à 6h16 pour coucher à 5h50 après-midi. Entre-temps, bien vent pendant la journée en possibilité pour la pluie tomber sous pays arrêté faible. Oui, plus de détails ici avec Madame Météo à Christine Saint-Georges. Dans le commencement, journal là. Nous gagnons rendez-vous. Oui. Caraïbes FM, il fait exactement 5h35 minutes. Nous pourrons rejoindre Madame Christine Saint-Georges qui pourra nous quittons la fin jeudi en annonçant UHM. Bonjour Madame Saint-Georges. Bien, bonjour Carrier, bonjour Pierronel, bonjour Rémi, bonjour Grégory, bonjour toute équipe là, auditeur, auditrice Radio Caraïbes, bien bonjour pendant chaque, avant même de rentrer dans l'information météorologique, moi je vais prendre voix moi avec toute l'autre voix, l'autre monde. On souhaite Pierre-Renel une bonne fête et bon nouveau printemps, qu'il y ait la palaguée. Nous souhaitons bon Dieu bénir au cachot couvrir. Nous souhaitons bon Dieu permettre de continuer ce travail, puis bien toujours pour informer la population haïtienne. Mais comment la situation tant comporté la Caraïbe sous Atlantique, nous avons une zone côté pression en Piwowa. Les Chicacoli dans l'Atlantique Nord, eh bien c'est lui-même qui rend la situation et en vent de masse surtout sec et par facilité vent lui-même souffler. Sous plus fort partie région Caraïbes, planté chaleur journée et fait localio qui pourra permettre d'y activer la clinique hier soir là, il pourra recommencer encore dans le département nord, nord-est, centre, la Tibonite. Pour Port-au-Prince, Axon qui entoure nous, c'est encore même situation pour Asfria, surtout dans quelques semaines. Pour la Meya, c'est précaution, zone côtière encore flagonne avec zone côtière sud, côté va souffler jusqu'à 25 nœuds, hauteur va durer à 11 pieds.
mais à cap mauvais en pile. Nous conseillons précaution, beaucoup de choses souples, mais à voilier, chaloux, bois fouillé, ça doit éviter et pas oublier ou même cap chercher la vie mieux sous la mer. Pas quitter l'esprit ou vaciller à gauche à droite, concentré sous activité maritime ou apmenée. Soleil là, il y a pleuvé matin à 6h16, il a couché à 5h50 pour lever demain matin à 6h17. Température agricole par la journée entre 27 pour l'atteindre jusqu'à 33 degrés Celsius en moyenne. Il a tombé la nuit là entre 17 pour l'atteindre jusqu'à 23 degrés Celsius en moyenne. Cela nous mettait en bout dans ce qui gagne pour un dossier météo. N'a remercié aux guerriers Pierre-Renel, Rémi, Grégory, toute équipe là, auditeur, auditrice Radio Caraïbes. Nous souhaitons passer un bon mardi, on l'autre fois encore. Kébé FM, Balague Pierre-Renel, bon écoute café. Rendez-vous, Pan, c'est pour tout à l'heure et aussi Jean demain pour venir à l'autre information qui a pris le gain pour le nos affaires météo. Bonne journée, messieurs. Première occasion et calme matin après soirée chaleur ça sous champ de masse en particulier hier soir plusieurs stands boulés pendant match policier yo organisateur mouvement ça pas revendiqué incident ça qui pour yo c'est infiltration monde qui voulait discréditer mouvement yo a yo estimé qui juste mais image nous te voyons devant direction générale police là dans Pétionville hier pas bon du tout pour image institution en tout cas policiers qui entendent continuer le mouvement yo, jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. N'a pas retourné sous le mouvement marche ça ailleurs, guerrier côté policier qui a fait plaidoyer pour création syndicat police là, pas décidé fait bac malgré pression inspection générale police nationale. Oui, n'a pas retourné sous journée ailleurs en marche manifestation ça sorti carrefour aéroport pour arriver devant DGPNH, là, mais une manifestation qui est finie un peu tard hein, dans la zone Chotmas. Hein, et c'est la déblosa est après le pété. Après la réaction, tout à l'heure, pour policier ça, yo, SPNH là, déjà existé, yo, déjà marché en fois encore. Journal lundi, pour sortir Carrefour aéroport pour arriver devant direction générale PNH là, dans Pétionville. Revendication n'a pas changé, augmentation salaire, puis bon conditions de travail avec accompagnement social, policiers protestataires qui menaçaient boycotter carnaval là. C'est déclaration qui ont été faites pendant un marche là. Donc il y a des gens qui t'a dit son déclaration qui vient, c'était une menace qui vient concrétiser avec ça qui passait shot basse là côté majorité stand qui était en construction yo boulé. Ça fait hier côté te gagnant des monde qui te gagnent maillot rouge sous yo qui te dans marche policier yo qui monde capable remarquer dans zone Chotmas dans Johnny Ferdinand était sur place. C'est pas ni accrochaille ni déblousaille. C'est plutôt policier qui a tiré en l'air une façon pour courir ensemble revendication. Il fait 10h40, nous devant building qui loge direction générale police là, dans rue d'Aguin dans Pétionville. En pile dans yo avec maillot rouge qui gagne logo syndicat, certains avec uniforme, pancarte dans main, chat musical, ça gagne plus passé 30 minutes depuis dernier bout de match là, atterri dans l'espace là. Après environ une heure de temps à marcher sur le petit carrefour aéroport pour arriver à Pétionville, les policiers ont arrivé déposer un document dans la direction générale là. Là-dedans, il y a pour Pépition une dizaine de raisons qu'ils ont évoquées qui d'après eux justifient l'existence syndicat dans la police là. Puis il faut une raison ça pour ne pas dire tout, il y a pour eux à condition de travail, agent policier. Un, pour faire tenir de l'éloignement avec votre question toute police. Deux, pour défendre toute police sans partir de quelque soit de quatre vies. Ordonnatrice syndicat police nationale là, SPNH, soulignait yo pas créé strictissa pour venir la laisser frapper avec policiers et puis au commandement. D'après Yannick Joseph, qui pas suspend cité article 35.3 maman loi PIA, SPNH l'a paré pour travailler avec l'état-major pour aider à identifier et puis résoudre différents problèmes institutions qu'on connaît depuis plusieurs décennies.
Inspection générale pas dormi revivre un syndicat en dans la police là. Pourtant policier yo même qui d'ailleurs mouvement ça pas tendez yo pas ouais syndicalier. Détermination dans mouvement d'après yo obligé faire au commandement tendez la région. Inspection générale pas faire nous ni craponner ni ralenti dans travail dans revendication n'a demandé yo. Inspection générale a fait travail pâle. Nous même revendication nous allons juste d'après constitution, ça veut dire c'est sous l'autre constitution avec convention internationale, c'est sous l'inoué, c'est un premier ton là. IGPNH là, il y a tout sens lien dans la police là. Policiers n'ont pas de doute sur ça. Cependant, il dit qu'il regrette et strict ça efficace seulement les pour prendre sanction contre policiers. Mais policiers qui combattent avec ça, les pisse crabes, ça les poitrinaires qui travaillent avec zongio, commissariat tant que ça vanne, policiers qui mouillent tant que poule, semblent inspection générale pas au courant, si nous devons être policiers. Dans la police, ça soit injustice. Comment vous mettez dans la police? Nous vous mettez un avocat, nous vous mettez un capelet de quoi policier. La police a un problème. Je fais ça, vous voulez parler de monde qui vous défend, pas de monde qui vous défend derrière. Non, pas de l'inspection générale. Ça, c'est l'inspection générale. Il n'y a pas de seulement pour la sanction des policiers. L'inspection générale, là, il doit être condition policière de travail. Si nous marchons dans le commissariat avec un journaliste, nous pouvons avoir un pacte conjoint, policier a fonctionné. État policier, il faut nous et nous faire. Policier, policiers protestants ont rappelé tout bagaille c'est yon dans le pays. Élections, manifestations, tremblement de terre, insécurité, investissement président, sécurité chef, même pour mener ménage chef dans le studio avec le marché, c'est yon. En tout cas, pour le carnaval, les nappes de yon, institutions n'ont pas besoin de compter sur yon. Si un n'y a pas dit à revendication, c'est même ça même. Vous dites sur les autres, vous êtes pas des policiers qui a plongé deux mondes dans le carnaval, dans un carnaval, avec la jalade, nous dit tout le monde. Nous ne pouvons pas risquer le carnaval. Au troisième match, ça, policiers ont montré qu'ils sont déterminés pour être directeur général là, pour déballer doléances en personne. Dans un niveau, côté ont levé rideau métallique rentrée principale là, responsable ont fait descendre depuis l'inné. Ils ont fait tentative pour rentrer. Malheureusement, information ont fait quoi déjà à partir espace là. Toutefois, quelques cadres de sortie pour parler à qui ils n'ont pas décidé de prendre parole. Et puis, les gens là, à mon nom, moi, et puis, les gens là, à mon nom, moi, et puis, les gens là. Dans un moment côté insécurité a taillé mandat n'importe où prince tant qu'on dans l'autre côté en dans pays la police là sous gros tension initiateur syndical ou pas entendre faire bac au commandement même inspection générale là en particulier clair sous position en plus l'observateur avisé rete quoi si autorité ou pas joignent une bonne formule pour résoudre problème ça pressé pressé dans PNH là pita capitrice pour institution qui donc nous ca comprendre rapide vite solution à problème insécurité en dans pays. Pas pour des mères. Et dans le barreau 72, c'est toi jusqu'à les vues pour réagir. Vite, c'est pour nous appeler dans l'arrière. Et dans le point de vue de l'air, on a fait un bel match de manga, mais on a dirigé par ce point. Nous allons éviter ce match de manga. C'est nous, à Paris. J'en ai Ferdinand, Caraïbes FM. Voilà, c'est pour troisième fois policiers au marché dans la capitale là pour exiger respect droit yo gagné pour créer propre syndicat yo un match qui finit. Non, violence, tant que Jean nous vivons les partis, ça qui passait sur champ de masse là. En pile réaction, guerrier, en pile réaction sur masse ça, mais surtout sous droit ou pas policier ou guerrier pour créer syndicat dans la police là. Et pour raison ça, on a bien pour nous parler tout à l'heure avec Antoine Mortimer, avec Maître Samuel Madistin, que nous pouvons capables de rejoindre. On a bien tout pour nous parler avec le chef CSPN, Jean-Michel Lapin, c'est prêt tout à l'heure. Mais entre-temps, sous bicentenaire, pas gagné trop d'amélioration. Non, climat, insécurité, en pile cartouche, te continue à tirer, ça qui t'est provoqué, on vent panique à l'entrée sud capitale, là, aïe. Ouais, situation qui continue à affecter le secteur transport en commun, ça qui poussait chauffeurs à dénoncer lenteur autorité face à climat, insécurité, capta et banda, dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, là. Jean-Georges Blaise. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne la paix dans l'entrée sud capitale, là, principalement, coin bicentenaire qui toujours était une zone risquée pour quel que soit le monde qui a fréquenté ce cuir. Toujours, il y a une panique à cause de la rafale cartouche qui a mis des gens en déroute
depuis Philippe ce maintenant qui donc rien pour clair dans zone ça qui semblait à prendre temps pour prendre visage dans temps chauffeur propriétaire machine qui était dans courir bouquet dénoncé ça qui a passé dans coin bicentenaire qui toujours en bas contrôle. Chaque jour, on tire. Hier, mon courrier là, d'un coup, je suis allé à la mon courrier encore. Vous avez un courrier? Oui. Ça qui passe, c'est tiré? Oui, bien tiré. Et ça, c'est là, bloqué là, bloqué tout là. Imagine pas en bas, il a bloqué là. Et malgré déploiement force spécialisée dans la rue, mon yo semblait beaucoup à l'aise. Côté gain d'autres, sous volonté à capacité, responsable pire au niveau dans l'État, pour ta mettre l'ordre dans des ordres. Bicentenaire, il y aurait les vents, je vous dis, toujours blanche ou coton. Sans qu'on ait qu'il, la police, a capable de reprendre contrôle de l'espace là. Si il était spécialisé là en permanence, c'est bon pour nous. Nous avons bon espoir là, chaque nous, et nous ne pouvons pas sauter. Mais, pas gagner. Non, on a fait le bout de jour après, nous, mais je dis à l'ambassade, nous ne pouvons pas. Depuis le côté, nous avons chargé le problème en bas. Camionnette, bon naïf, c'est qu'on charge en bas. Chauffeur motocyclette, c'est qu'on en bas. Mais depuis longtemps, nous ne pouvons pas avoir un quantique. Camionnette chargée, nous ne pouvons pas avoir un motocyclette comme en bas, il est dit, en bas blanche. Comme on dit. Renforcer présence la police à la RIA. Patadouillon showbiz. D'après citoyen ça qui fait qu'on est des autres capra poursuivre dans l'entrée sud capitale là, pas sans conséquence sur l'activité. Principalement, secteur transport en commun, yon dit qu'il continue de prendre coup. D'après yo, faut que PNH là, Takembe, yon présence net allée. Tout sous bicentenaire. Sécurité, nous besoin pour gagner, pour payer à gagner moins stabilité, pour nous travailler. Tout ce travail, nous avons là, nous descendons pour aller à l'aise, sans qu'elle saute. Je dis, président, il est là pour assurer la bonne marche de l'institution. Président, il y a sécurité dans le pays parce que nous voulons à l'aise, parce que nous-mêmes chauffeurs, c'est là pour nous chercher la vie. Mais si nous n'avons pas de sécurité, est-ce que nous avons monté là, nous n'avons pas de travail? Mais il faut une sécurité pour nous travailler. En attendant, la police dit sa cap fait pour prendre contrôle situation. Plusieurs mouvements plantés piquettes déjà organisés dans l'entrée sud capitale là. Côté habitants 3e circonscription Port-au-Prince en particulier a fait pression pour réclamer la paix et la sécurité dans 3e là. Jean-Jean Blaise, Caraïbes FM. Zaka kidnapping yo Blaise qui pas suspendre multiplié dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, dirigeant ensemble organisation opposition yo même pas caché quelque assez yo di yo gain face à que situation ça. Oui, d'après responsable ensemble organisation opposition femme yo c'est catégorie qui plus victime Zaka c'est là yo on gagne bon genre disposition qui prend pour vivre croiper phénomène ça qui prend chaque jour plus en dans pays hein, d'après un bel responsable. Responsable politique là toutefois continuer gagne doute sur doute quant à volonté réelle bon côté autorité pour t'amettre yon frein dans phénomène ça qui donc fort mobilisation à poursuivre sans prendre souffle pour continuer dit assez exact kidnapping yo dans pays hein, selon un dirigeant de l'opposition. Un reportage Jean-Paul Lundi. Nous dames qui a fait résistance pour ne pas kidnapper l'homme de machine, de Marie Bitibi. Yo touye l'homme de machine. Nous voyons image ça yo. Yon nouvelle qui coupe les entrailles moun, qui fait un pile kebat fort. Kidnapper yo pa gen aucun pitié. Pour yo même, citoyen yo c'est un coup petit oiseau, yo capable ten souffle l'air ouvlé. Abel le reston déplorer les fêtes bandi yo prend plaisir pour yo humilier femme. Yo kidnappé. Militant politique là, pas caché colèl. Il y a des femmes qui kidnappé, qui ont sorti dans le nord. Eh bien, ils n'ont pas une corps dans le nord. Ils ont violé devant le derrière. Est-ce que la population qui a arrêté doit croiser devant le phénomène ça? Nous-mêmes, les dirigeants, nous disons, actez là. Yonza qui révolté dirigeants ensemble, organisation qui est en opposition. Mais il numéro 2, exécutif là, t'es annoncé pour croire Zak Sayo, semblait pas rassurer Abel le restant. Résultat, c'est ça qui intéresse. Le premier ministre de facto a dit, faut que la police fouille toute machine, celle machine, corps diplomatique. Et bien, le même jour, vendredi, nous disons qu'on puisse garder kidnapping, recensé en deux pays. Au moins, si nous disons vendredi, samedi, dimanche, t'es bien au moins amélioration des kidnapping, mais depuis le même jour, de commencer à kidnapper le monde. Abel Loreston estimé rete bouche fermée, c'est pas une solution. Il engagé pour dénoncer phénomène ça qui tourne véritable cauchemar, monde qui dans toute couche
société. Je veux dire, nous continuons à mobiliser, nous disons pas qu'à la caillou. Si nous ne parlons pas de la caillou, eh bien, tout fait. Aucun monde pas à l'abri. C'est peut-être ça, militant. Mandé société a pour réveiller. Yon l'autre marche pacifique programmé dans la capitale là pour 17 trois patons. Rendez-vous à, c'est pour commencement week-end. Cap vini là. Marche contre kidnapping, marche contre insécurité, contre. Bonsoir à toutes les amis, toutes les fans, à tout tout le monde concerné. Rendez-vous à Peuple Haïtien, c'est pour vendredi 21 février 2020 à 17 tapons. N'attendons sous place à des salines là. Pour déraper, gommage contre insécurité, contre kidnapping en deux pays. C'est pas seulement pour dire non à Zak kidnapping. Militants vle pour population, voyez un message clair by pays qui dit aux ses amis Haïti. Faut que pour l'arrière, premier tour, pour montrer avec la communauté internationale là, pas de l'État en deux pays. L'État démissionnaire. L'État va gagner après le pour nous. Depuis plusieurs jours, la police renforce présence li dans divers coins dans le pays. Policiers ont fouillé toutes machines privées, excepté machines corps diplomatiques. Ils ont présence qui semblait intimider les kidnappés. Mais ça n'a pas empêché les citoyens de gagner sous biscuit chaque fois qu'ils mettent les pieds dans la rue. Parce que les bandits sont toujours en bas paille, personne ne connaît si ils ont décidé de quitter le métier. Ou si aptan policiers fatigués pour réparer tête yo. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Écoulia, nous prenons dans la ville Gonaïve, ville côté la Pérez l'an les rivets, après capitale là, c'est une ville province dans le pays à côté vine trouver une situation pour qu'on ait même sentiment que monde cap vive dans capitale là. Zach braquage, vol en nuit, sans compter bricatouche qui a chanté dans divers quartiers, presque chaque soir dans la cité de l'indépendance, la guerre, gros, la pérèse d'Akaï citoyen dans la quatrième ville pays. Pendant dernier moment, ça y est, un peu le monde qui perd la fait transaction à la banque à cause de braquage qui répétait un peu dans le centre-ville. Là. Il y a des gens qui même rivaient prend balle pendant un bandit attaqué. Il y a un reportage avec Dieulivens Jules, correspondant permanent dans la ville Gonaïve. Par rapport à braquage à Nabdil, après vaste mobilisation de gain, nous toujours disons que c'est le résultat pays local. Autorité concernée, dans la ville Gonaïve, semblait beaucoup trouver une meilleure formule pour combattre Zak insécurité qui passe suspendre, répété dans la ville. Dernier moment, ça y est. Vol de nuit, braquage, sans compter son cartouche, cap chanté dans divers quartiers, presque chaque soir. Citoyen Gonaïve, pas caché inquiétude face à cette situation. Ça. Nous-mêmes, comme responsables organisation droits humains, CREPDH, nous sommes très inquiets par rapport à l'évolution ça, dans la communauté. Nous constatons qu'il y a un peu de monde qui a fait des actes de banditisme, des actes de braquage. Il y a des gens qui peuvent continuer à faire des bagages qui sont choses qui n'ont pas d'accord reprochés. Ça, c'est le résultat, je suis capable de dire, négligence, irresponsabilité et incapacité de nos dirigeants qui mènent nous dans la situation. Pendant le dernier moment, ça y est, un peu de monde qui a fait transaction là-bas, mais des victimes de braquage dans la ville, il y qui même arrivé blessé avec balle bandit. Commissaire gouvernement Gonaïve là, sur Agazius, a tenté rassurer la population. Nous-mêmes nous déterminons pour que la juridiction ait l'ordre qui est établi là-dedans. Et tout le monde connaît les. Nous dit l'ordre, la police connaît qui ça pour le faire, la police gagne tout pouvoir, depuis ces voleurs, depuis ces bandits, depuis ces nègres qui gagnent, et bien la police gagne solution pour lui. Moi-même dis tout le monde, de pouvoir gonz dans mon la police, la gueule la tête mettez deux mots en l'air. Sinon, nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables de la vie, ça. Parce que bandits, nous ne sommes pas à tolérer la bandit là. Nous voulons ville Gonaïve pour un monde qui a dormi à terre. J'ai été longtemps. L'important pour nous faire remarquer, depuis après dernière tentative évasion qui était faite dans la prison civile Gonaïve, ça fait environ 4 mois. Autorité concernée a été pris une décision pour reconfigurer et puis mettre plus de sécurité dans l'espace là. Ça qui explique pour la prison civile Gonaïve a été fermée. Selon information, la situation ça entrave travail force l'audio qui a du mal pour exécuter mandat. Zia, on a constaté au Gonaïve. Pas de prison, pas de côté si on moun enfreint la loi pour mettre li. Donc ça a poussé monsieur yo faire des actes de banditisme parce que yo connaît pas de côté pour mettre yo et arrêter yo à li difficile li pas capable. Dieulivens Jules Gonaïve Caraïbe FM.
Voilà pour situation dans la ville Gonaïve. Insécurité en fait déjà un moun yo peur à la banque. La Pérèsa, c'est moun la capitale là qui te compte. Ressentil, mais depuis quelques jours là dans la ville provinciale, moun yo, on ti caspè à la banque à cause braquage qui a fait le yapsoti la banque. Est-ce que c'est même situation dans une ville tant coup Jacques Mel côté carnaval là saute déroulé week-end qui saute passé à nous pour regarder ça avec Dieulivène Jules, Dieulivène Jules c'est correspondant dans Gonaïve, mais coulé à nous pour parler avec Élie Lorveus, correspondant nous dans métropole sud-est PIA. Élie Lorveus, bonjour. Yon situation nous dans Gonaïve et qui montrait ville provinciaux de plus en plus il y a une guerrière insécurité là-dedans. Dans ville Jacques Mel, nous très loin de réalité, Dieulivène Jules saute décrit là. En fait, bonjour Périnel, bonjour Guerrier. Justement, nous connaissons capitale là, qui a une connexion directe avec ville provinciale. Et Jacques Mel, nous pas pral semaine ça ou bien, et moi qui finis là, pour dire, nous avons un niveau qui mettait et Pérez là, et t'as capable de chaque citoyen. Mais nous avons des collègues. Dieulivène qui parlait de braquage, et bien braquage là, nous sommes capables de dire, et pour ça, nous n'avons pas joué des cas. Maintenant, moi, passé, il y a divers monde dans la population qui est toujours plein hein, par rapport à une zone où on braque, où on prend téléphone, et même gagné, il y a un monde avec madame Ni qui était dans la machine. Et il y a même qui était même bien zam dans la machine, il ben, y a des gens qui braqué, ils prennent zam ça. Mais c'est situation qui t'est passée dans quelques jours qui passent ou bien mois, maintenant, semaine ça, dans mois ça, pour qu'on gagne Zaksayo qui recense directement. Ça qui arrive, il y a des gens qui peut-être pas dénoncé le tout, mais et pour ça, il y a Pérez là, il existait parce que il y a divers jeunes qui ont même appétit dans la capitale là, par rapport à ça qui a passé dans la capitale là, et qui était Jacques Mel qui n'est pas rentré dans Port-au-Prince pour aller dans l'université. Et ça a montré, même là, il y a eu Jacques Mel, ça capable, ce n'est pas Jacques Mel qui est victime, même Pérez là, il existait, la taille population. Hein. Mais Jacques Mel, dans ce naturel, la taille mondiale, c'est une ville qui accueille les gens. Et bien ça, pas arrêté dans le même niveau avec l'autre zone, côté situation paraît, ils vont faire un spéculatif. Mais nous sommes capables de dire qu'il existe la taille population parce que nous-mêmes, il y a toujours, il y en a veillé sur l'autre paramètre. Merci Dieu et merci Élie Lorveus, n'a pas rappelé aussi correspondant nous dans Jacques Mel, Guerrier, nous allons faire comparaison ça pour montrer que situation qui a développé Gonaïve là n'est pas généralisée sous reste pays, mais c'est un mauvais signal qui voyait leur en ville province tant coup bon Gonaïve et contrairement à l'autre ville il y a une histoire parlée, c'est une ville qui toujours et gagner scène de violence et la dalle, mais ensemble reste ville pays a été calme par rapport et à Port-au-Prince là en ville province y a rapporté une information qui gagne pour un braquage sous monde cap sorti la banque, c'est un mauvais signal qui lancé parce que les bonheurs toujours pour éviter à ce que pays a dans toute intégralité par un pays qui gagne qui était là-dedans le même genre à capitale là, parce que Port-au-Prince, hein, nous pas de gagner et phénomène ça, nous vivons là depuis quelques temps, nous qu'on allait et la banque est sans peur, sans crainte, nous passons les gens qui étaient vivent dans le temps avant nous, pas qu'à imaginer ça, nous vivons là, je dis, ah, mais pourtant c'est en réalité, et donc en réalité, nous capables d'éviter à respirer ainsi, de disposition et qui prend et tant que Jean nous est ça en Gonaïve et je crois qu'il y a une possibilité justement pour nous éviter ça si il y a une disposition qui prend pour section générale la police là qui va créer un climat de sécurité dans le pays. Voilà. Pour là, nous allons retourner sur ça qui passait hier là et pourquoi pas parler en détail sur ça en pile qui fait débat là qui c'est liberté syndicale droit de grève dans le temps la police nationale d'Haïti qui ça la loi dit, mais avant nous allons aller dans qui ça la loi dit, nous avons demandé à M. Samuel Magister qui est une principale
par le responsable fondation J'éclairé, une organisation droit mounio pour position yo, ou du moins qui ça, comment les comprendre ça qui passé hier là après journée manifestation policier yo qui t'a fini chaque ça incident ça à côté gagné yon quantité stand en construction qui boulé et gagné tout en pile 14 qui tiré devant direction générale PNH là hier. Maître Madistin, bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour Pierre Renel. Pierre Renel, bonjour à tous les auditeurs, à tous les auditrices Radio Réunion. C'est un plaisir pour moi matin, pour moi maintenant. Oui. Il dit avant de nous parler de liberté syndicale, droit de grève dans la police nationale là, qui ça la loi dit avec nous, on va le partager quelques éléments avec nous tout à l'heure. Besoin d'une réaction nous dans le niveau fondation J'éclairé sur l'incident hier là. Bon, il y a deux gens pour comprendre ça qui arrive hier. D'abord, c'est capable. J'en situation générale pays hier, autour de l'insécurité galopante, au gain des actes de kidnapping, qu'on commet un peu partout, tous les jours, famille haïtienne, il n'y a pas pauvri. C'est-à-dire que le monde paye un rançon, je vous dis, à vous libérer dans le kidnapping. Des fois, c'est 25-30 ans de travail, et oui, que je prends, ou bien c'est des têtes qu'il fait pour 25-30 ans, pour le sauver. Donc, famille va couvrir. En plus des actes de cruauté que bandits ont fait sous mon occupation, des viols collectifs. Il a humilié, il a torturé, ou senti comme de rien n'était par autorité. Et puis, il est touché par sa capacité. C'est comme si la police en vacances, il n'est pas là, parce que la police n'a pas eu. On prend un recommandement, t'as gagné un gouvernement. Et puis, on nous garde, on prend l'argent à dépenser pour festivité carnaval. Donc, c'est choquant. Donc ça a choqué mon Dieu. Ouais. Donc il est capable en réaction de colère de la part de la population. Parce que pas les carnavals, c'est évidemment non. Mais contexte là et l'inaction de l'État, l'inaction du gouvernement, l'inaction des forces de police par rapport aux actes de cruauté à promettre aux populations. Hein? Donc ça a choqué mon Dieu, ça a énervé yo, et on passé colère sous ça passé sous question des sangs qui gagnent qu'à préparation qu'a fait pour carnaval, sans pour lecture pour gagner ça passé. Hein? Deuxièmement, pour lier à ça passé, c'est pas question de là, concert de cartouches de manifestants policiers tiré. Ah oui, c'est capable avant-coup de s'accaptando si l'autorité va prendre les mesures qu'il faut plus vite pour stopper ce mouvement qui voulait créer syndicat dans la police. Là, donc c'est capable avant-coup de dire ça syndicat ça va dire. Ouais, c'est pas un véritable désordre, c'est pas un véritable chômage qui va écraser toute règle de principe en tant la police là, et qui est capable de venir faire que police là, vienne perdre tout sens, toute valeur. Donc on parle de monde qui a sali du fond, et qui n'a pas de saisie pays, j'ai un tatoué. Hein? Donc c'est un mauvais signal qui lance là. Vous comprenez par rapport à ça qui fait yo, parce que normalement, ça fait cartouche qui tire pétion ville yo. D'habitude, les policiers, ça, moi-même,
a tiré à tout ça au village de Dieu pour y a libéré mon kidnappé, pour y a arrêté bandit. D'après les policiers, ça y a montré détermination, ça y a sens de courage, ça y a gravine. D'après les policiers, ça y a, n'est-ce pas, à camper pour sécuriser mon qui a sauté la banque, qui a braqué au lieu que des actes comme ça, c'est à poser, ouais, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un très mauvais signal. Un très mauvais signal émet Madistin. Il y a des gens qui allaient jusqu'à et comparer le mouvement qu'a fait dans la police là à mouvement petit soldat qui a gagné dans l'armée qui a débouché sous dissolution de l'armée. Ou point des gens qui dit ça qui a passé dans la police là, c'est son début et de fin police là. Oui, c'est opinion pas nous tous, parce que nous pas prendre à la légère du tout, ça va passer. Hein? Parce que ça crise, comprenez bien. Au corps armé, ça caractérise, ça fait différence au corps armé à un gang armé. C'est parce que le corps armé, il chita sous des principes que le gang armé a gagné. Il y a un principe, il y a un corps armé chita sous lui. C'est le principe de la discipline. Qu'est-ce que la discipline veut dire, le corps armé? Discipline veut dire que, eh bien, les policiers sont là pour obéir aux ordres de leurs supérieurs. Et ils sont responsables de l'exécution de missions qu'ils ont confiées. Là, ou gagnons un corps de police. Et vous regardez, vous convoquez une police à l'inspection générale de la police. Et puis, c'est des policiers qui vivent, qui tirent sur le bâtiment inspection générale de la police là, qui vandalisent le bâtiment. C'est-à-dire le principe de discipline ne disparaît. Donc, le principe de discipline ne disparaît. Imaginez aujourd'hui, pour la salle, dans la rue, où les policiers font une exaction, ils font un abus, et puis vous apportez plainte pour lui dans l'inspection générale de la police. Et bien, l'inspection générale a perdu autorité pour convoquer les policiers pour le sanctionner. À partir de ce moment, on va police encore, non? À partir de ce moment, dans très vite, la police a pas vite nouvelle nos situations côté population en lui-même. J'aurais été manifesté, crasé l'armée à nos polices là. C'est ça la population va le faire tout. C'est-à-dire que c'est une discipline. Respect de la hiérarchie en tant police là, ou pas une police encore. Même si physiquement le pouvoir craser, mais le craser déjà. Parce que valeur qui caractérise force de police là et disparaître. Hein? Donc, à partir de ce moment, si on passe tomber terrible ça, et si des décisions pas prises pour rétablir, n'est-ce pas, le respect de la hiérarchie à l'intérieur de la police, la discipline, la disponibilité, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le policier est disponible pour les autorités en tout temps et en tout lieu. Hein? Par exemple, le policier a dit, mais ça le voulait faire, mais ça le parlait faire. Il dit, il n'est pas sécurisé le carnaval, il n'est pas fait ceci, il a fait cela. Ouais. Dès que dans une situation ça, la police n'a pas une discipline en rôle, pas un respect des principes des hommes qui sont indispensables pour l'existence d'un corps armé, que le corps soit un corps militaire ou policier. Maintenant, distinct. Donc nous venons aux situations là, surtout après ça qui est passé là, on dit là, respect hiérarchique n'a pas existé encore. Kounian, qui est-ce qui a agi et comment? Bon, pour limiter, en tout cas, permettre que la situation n'est pas empirée. Bon, moi-même, je pense que il y a plusieurs autorités capables de réagir. Alors, je me dis moi-même, là, je parle
pour nous-mêmes dans la Fondation J'éclaire. Nous-mêmes, nous pensons que, bon, ensemble de revendications que policiers ont fait, même les nous-mêmes, nous pas d'accord fondamentalement pour qu'un syndicat qui fait un désordre en police là, nous pas d'accord du tout, même les États-Unis, les syndicats, les lois à tabac, réglementer ça, pour venir des droits de grève dans la police là, mais nous dit que déclaration, revendication en pile policier à faire, yo, nous pas capable de passer au sous silence, nous pas capable de cracher sur yo. Parce que en pile là-dedans, yo, c'est déclaration mandée pour yo prendre yo en compte, pour yo prendre en considération. Et nous dit, dans ce sens-là, il n'y a pas capable pour un corps qui peut avoir 25 ans, il est capable de lier à une situation où il y a des décisions pour prendre un genre à fonctionner qu'on ne pas prendre, ou pas de prendre. C'est ça que fait nous dit. Ce qu'on a mérité audité. Il mérite une enquête qui fait en profondeur sur qui genre de police a fonctionné. Pour garder qui ça a dit dans la revendication, par exemple, dans les gens qui ont des grades, dans les gens qui ont des humiliations inutiles, qui ont des balternes, sous question, ils ont dénoncé des faveurs sexuelles que vous gradez, à demander des policières, sous question que. Yo a touché comme sous le bois assurance, mais ou pas joindre des bénéfices, il va rendre service véritablement. Sous question, cadre de bio que vous gagnez, et que c'est comme s'il pas existait. Sous question que les gagnants y ont un détachement, ou bien les gagnants des activités, dans le carnaval, dans pour élection, il y a des corps qui ont circulé dans la police là, en cash, et que. Hiérarchie qu'on prend en bio, soit au bio du monde ou bio pas bio du tout. Question ça yo mérité pour adresser. Et c'est ça que nous-mêmes nous recommander que parce qu'on commission indépendante qui t'a créé, mais avec des personnalités crédibles, là, qui d'abord évidemment font pas ça comme c'est tant de raisons, une fois commission ça a formé. Pour l'autre enquêter sur ensemble bagaille qu'a dit dans la police là, et commission ça a capable de faire des recommandations pour des mesures qui prend pour corriger ça qui mérite corriger et faire en sorte que y ait des problèmes qu'a vivre dans la police aujourd'hui, qu'ils pas venir vivre demain, hein, pour qu'il y ait des solutions durables qui portent à des problèmes que les policiers ont adressé. Donc, nous pensons ça c'est. Yon bagay que c'est CSPN là qui était capable de prendre le devant, qui était capable de former une commission comme ça, faire appel à des personnalités crédibles, à monde qui inspire confiance, qui est capable de commission ça, qui est capable même faire accompagner d'experts étrangers dans la question de sécurité publique, hein, pour de vraiment. Yo, t'as capable résoudre en série d'un certain nombre de problèmes en tant que police là. Mais j'ai même pensé que le directeur général de la police là, il faut lui montrer qu'il est directeur police quand même. Il n'est pas capable, comme si la chita, croisé bois, le bail, ça y va faire. Et puis, il n'est pas chita policier, il n'est pas chita base là. Ni comme si ignorer que gros il y a de trop qui passer en tant institution là tout bagaille ça qui a démobilisé les polices là et qui normalement a augmenté situation d'insécurité qu'il y a là parce qu'on doit gagner des mains puissantes, des mains mafieuses qui a servi des mouvements pour faire l'autre bagaille ignorant que si la police est déstabilisée, eh bien, n'est-ce pas, ça va mettre pays à un problème pour les 25 à 30 prochaines années. Donc, on ne peut pas comprendre l'avenir de pays, ça va jouer là, c'est une question de pouvoir actuel ou bien pas pouvoir, c'est une question de qui monde qui n'a peut-être l'État aujourd'hui, c'est une question qui concernait l'avenir du pays. Donc, parce que le directeur général de police, là, lui-même, il faut que les gens des décisions que le tapent, il faut le manifester, il faut le faire.
Et troisièmement, parce que les gens qui a fait mouvement ça, yo, les policiers eux-mêmes, il faut qu'ils connaissent que ce n'est pas indispensable. Une fois qu'il y a des mesures qu'ils prennent, il faut qu'ils soient conscients que ils n'ont pas à exiger les gens accepter des bagailles qui contraires aux règles, qui contraires aux normes, qui contraires à la loi, pour autant de raisons, pour suspendre à mouvement ça, pour autant de commission ça, au travail, pour répondre aux revendications. Et si ils n'ont pas fait ça, tant qu'ils connaissent, même dans les pays en guerre, ils ont après 2-3 mois de formation, renforcer les institutions militaires et puis on a de nouveaux agents pour envoyer sur le front. Il faut qu'ils soient indispensables à la police. Si on croit que ça a fait parce que c'est des policiers de la base et que personne ne va être intouchable, ils sont trompés. Il faut qu'ils soient ça. Il faut qu'un monde dise ça. Il faut autant qu'attendre des raisons. Parce qu'on va faire une formation massive des agents de police. On vient dans pile jeune qui est conscient, qui veut défendre le pays et qui a pris une formation rapide de 2-3 mois et qui veut renforcer le police. C'est ça, il faut qu'il compte ça. Où sont-ils là, revendications policières juste, parce que ça fait longtemps, surtout nous-mêmes, là, on a recevoir des messages, hein, les policiers qui ont plein, il y a pile frustration dans la police là. Mon sort, disons, l'autre barrière là, qui est fort, c'est que pas qu'à gagner syndicat dans le désordre. Donc, qui ça, la loi dit, constitution dit qui ça, règlement interne de la police là, dit qui ça par rapport à la question liberté syndicale? Sous question de liberté syndicale là, constitution a proclamé le principe du droit à la liberté syndicale. Pas oublier que, à travers le monde, dans tous les textes internationaux sur les droits humains, sur le respect des droits fondamentaux, donc qui parlait de liberté de réunion, parce que c'est déjà, c'est d'abord ça le syndicat, la liberté de réunion, la liberté de négociation collective des travailleurs, c'est d'abord ça. Dans tous les textes internationaux, comprend l'Organisation internationale du travail, comprend la Convention internationale, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, comprend le traité international relatif aux droits civils et politiques, comprend la Convention européenne des droits de l'homme, comprend la Charte sociale européenne, ils ont toutes qui traitent et parlent de liberté de réunion, de liberté syndicale, ils ont fait un dérogation sous question liberté syndicale au niveau des forces armées et des forces de police. Et un bon arrêt dans la Cour internationale qui dit que l'État fait pour supposer gagner ce qu'on appelle une marge de manœuvre pour déterminer à quel moment de son histoire, de son évolution, que le capable d'autoriser droit syndical à l'intérieur des forces de police, à l'intérieur des forces armées, il a limité droit ça ou même interdit. Ça arrive dans tous les pays du monde, indistinctement. Alors, constitution a proclamé principe là, l'on proclamé un droit pour jouir droit, pour exercer droit. Ça dépend de quel régime juridique que droit tombe. En principe, la protection des droits fondamentaux doit tomber dans 3 régimes juridiques donnés. Un premier régime, qui sont régimes répressifs, ça veut dire. Ça veut dire liberté, ça. La constitution en proclamé, ou qu'à jouir immédiatement. Et si qu'on y a abusé, il y a des sanctions la loi prévoit pour vous ou abus de droit pour faire. Par exemple, la liberté d'expression. Ou qu'à parler, j'en veux.
police, si vous faites abus, vous faites diffamation sur le monde, vous faites injure, vous faites appel à la violence, la loi punition, il sanctionne, il dit, loi abusée doit ça. Mais qui sanctionne vous gagnez. Donc, ça, c'est le régime répressif des droits humains. Le régime, ça veut dire, ou libre pour faire son vle, ou jouer droit, mon cas une sanction, soit abus du droit. Deuxième régime qui gagne, c'est le régime préventif. Le régime préventif, là, vous dit ça. La loi intervenue, le principe est proclamé, mais pour jouer droit, l'administration a des autorisations pour délivrer qui pour permettre de jouer droit ça. Par exemple, la Constitution dit. Tout le monde doit avoir des armes la caillou. C'est là le droit à l'autodéfense armée. Mais qui âme chaque monde gagne la caillou? Qui quantité? Qui type de munitions? Eh bien, il faut qu'on autorisation, une loi qui dit réglementer ça, qui dit mais qui âme citoyen ou gagne droit gagner, mais qui limite ou examen, non? Mais qui type de munitions vous avez, hein? Mais qui activité que vous avez. Pour qu'on va dans une situation que tout le monde a des armes sans contrôle, tout le monde a des armes sans autorisation, les civils ont des armes qui sont plus fortes que l'État. C'est comme si l'État perdit le monopole de la violence légitime. Donc, la Constitution n'a pas ouvert porte pour des autres comme ça, pour qu'on l'ouvre, proclamer le droit. Mais le droit pas capable d'exécuter ou pas capable de jouer sans loi. Donc ça veut dire. Une loi sur le port et la détention des armes à feu. Donc ça veut dire que c'est. La Constitution a proclamé, lui soumettre à une autorisation, à une réglementation, à une organisation. Et qui est le monde qui peut faire ça? C'est la loi. Donc il faut un effort législatif qui fait là. Par exemple, la loi proclamée, loi proclamée. Mais pour jouir, il faut qu'on côté pour le syndicat à l'enregistrer. Il faut que le syndicat ait des limites dans le fonctionnement. Dans les pays côté syndicat organisé, la loi prévoit que le syndicat, il va craser, il dépasse les limites, il dépasse les bornes, il va dissoudre, il va suspendre dans le fonctionnement. Il limite, il dit qui j'ai l'agi, il dit ça le café, il dit ça le pas café. Qui monde qui vous dit ça, loi, qui pour organiser fonctionnement syndical. Donc, dans le cas de la police, la loi ça n'a pas pour là. Il faut qu'on fasse. Maintenant, troisième régime, c'est le régime de la déclaration. Donc, pour toi, si tu dois proclamer, ou que vous faites une déclaration aux autorités pour jouer. Par exemple, la Constitution doit faire une manifestation sur la voie publique, mais il suffit pour annoncer la police là. Donc le principe de la déclaration. Déclaration, c'est pour autorisation. Mais pour informer les autorités qu'on besoin de jouer droit ça tel et tel côté. Donc, mais qui régime juridique qui gagne. Donc, autrement dit, la liberté syndicale est proclamée par la Constitution. C'est un droit qui est proclamé. Mais la jouissance de ce droit suppose une réglementation. Et celle que vous réglementer, ce n'est pas la loi. Or, dans le règlement police là, c'est la loi des policiers qui monte relation, rapport entre l'État et la police, et chaque grain policier, mon qui va police, qui pas voulu accepter le règlement, pas policier, vont venir son là et qu'il a venir dans la police là, règlement ça justement. Pas les syndicats dans la police là. Et pas les grèves du tout. Dans la police là. Mais qui s'accadre légal qui sont envoyés. D'ailleurs, si la loi te permet, il va demander des manifestations pour modèle. Pour moi, nous avons dit à le faire, ça la loi dit. Vous comprenez? Nous avons dit, mais vous font syndicat dans la police, mais qui sont besoin, mais qui sont besoin, vous faites, mais vous ne faites rien, vous avez des manifestations et après. Donc le cadre légal aujourd'hui, ça permet que un syndicat à l'intérieur de la police. Oui, donc par rapport à tout ça, et vous montrez là qu'il y a un cadre légal qui pas existé, donc il faut que tu aies un effort législatif et réglementaire qui pourra faire là pour favoriser
exercice des droits fondamentaux sans que la Constitution elle-même les garantit. Et d'abord, il y a un cadre réglementaire avec le règlement de la police. La police, qui est le même. Qu'on y a, si l'État estime que le nécessaire pour exercice doit être fait, et puis il dit, mais dans quelles conditions vous voulez faire, la prend loi pour ça. Et à partir de loi ça, tout le monde est capable, qui voulait, faire syndicat, est capable de faire syndicat, et puis il est capable de conformer à la limite que loi baille tout syndicat, et il connaît les pas conformé à la limite du syndicat à raser légalement. Vous comprenez? Eh bien d'accord, merci un peu le maître Madistin, on t'est content par la compte. Oui. Oui, merci un peu, hein, maître Samuel Madistin qui était direct avec nous pour te dire nous qui ça la loi dit dans un cas liberté syndicale et qui également te baille position fondation J'éclairé sous incidence qui arrivait. Merci toutes amies, toutes fonds. En fait, c'est la caille. Ou même qui te prend tes chaises bas pour te capable de suivre un journal là ensemble avec nous. Nous remercions pour confiance que vous même ou fait nous pour capable informer. Nous connaissons information, c'est un bagage qui est extrêmement sensible. Information sur pouvoir, mais ça fait nous chaud au cœur de ce que ou même ou fait nous confiance ou la nous pour nous capable informer. Nous espérons ou capable passer une très bonne journée accompagné du grand maître là qui gagne tout pouvoir, que tout ça ou même ou pour l'entreprendre pendant journée ça, et bien grand maître là lui-même nous capable faire réussir ou capable faire succès dans tout ça qui ou prendre précaution dans tout ça ou faire pendant journée hein, pour capable retourner ensemble avec famille ou sous pour conduire pas bref sous pour le pas conduire, et que grand maître là qui gagne tout pouvoir il est capable avec vous pendant toute journée ça. Bonne journée à toutes amis, famille, faites la caille.